Dans une interview accordée à Éric Dussart pour son émission On refait la télé sur RTL, Sophie Davant est venue se confier sur son parcours, ses ambitions et sur ses projets. Après une conversation sur les potentiels accidents de casse dents affaire conclue, le programme qu'elle présente sur France 2, l'animateur a abordé la visite de la présentatrice à l'Élysée, le 13 janvier dernier. « J'espère que vous n'avez rien cassé quand vous êtes allé à l'Élysée parce que là-bas, des objets de valeur et anciens, il y en a quelques-uns », a-t-il lancé. « Je n'ai rien cassé, j'avais surtout les yeux grands ouverts. » C'était un super affaire conclue et elle, Brigitte Macron, un super commissaire priseur. Elle nous a dit que le président gardait tout ce qu'on lui offrait et qu'il y en a plein les placards. Elle les a donc ouverts pour nous montrer toutes les babioles du président. C'est là que je lui ai dit, envoyez-les-moi à affaire conclue, s'est-elle exclamée, avant d'ajouter, l'invitation est lancée. Sophie Davant s'était rendue au palais de l'Élysée afin d'interviewer la première dame pour son magazine S. À la suite de son moment passé aux côtés de Brigitte Macron, elle avait posté des clichés de sa visite sur son compte Instagram le 13 janvier dernier, à l'occasion de l'opération Pièce jaune, elle a accepté de parler de ses engagements, mais aussi sa vie de femme et sa vie de couple. À presque 70 ans, Brigitte Macron est un modèle pour beaucoup de femmes, indépendamment de leurs opinions politiques. Je vous invite à la connaître davantage dans le dernier numéro de S. Vous ne serez pas déçus, avait commenté la présentatrice de 59 ans. Supérieure à photo, est l'évolution physique de Sophie Davant une amitié entre les deux femmes ? La présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris et la journaliste semblent partager une affection mutuelle. En effet, ravie de sa rencontre avec l'épouse d'Emmanuel Macron, elle avait écrit sur une autre publication « J'ai passé un excellent moment avec notre première dame. J'espère que vous prendrez du plaisir en lisant le fruit de notre rencontre dans S, mon magazine, vous allez la découvrir autrement. » Une vraie femme comme je les aime. De son côté, Brigitte Macron avait confié être une fidèle téléspectatrice de Télématin et de CIST au programme. Disponible en kiosque tous les deux mois, S propose dans son 14e numéro un échange exclusif entre les deux femmes. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, on refait la télé RTL.